Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour un tout petit haul Action. Alors là, vraiment, j'ai acheté que deux trucs donc pour vous dire. Donc Action et Zeman. Je vous montre ça, j'ai acheté ça donc aujourd'hui pour le chat, c'était une des nouveautés. Parce qu'à mon avis, vous l'entendez en fond sonore. Donc c'est pour ça que je vous le montre, c'est avec ça, elle est en train de jouer en ce moment. Il y a ça. Alors, je suis partie en fait. Bon, on est mercredi. Je suis partie pour les promotions. Là, il y avait un truc que ma soeur elle voulait, là, une espèce de chariot là, à 40 euros là, qui était en promo cette semaine. Enfin, en promo. Enfin, qui était mis en vente cette semaine, quoi. Donc, je suis partie l'acheter pour ma soeur parce qu'elle ne le trouvait pas dans son Action. Et je me suis dit, tant qu'à faire, je vais voir s'il n'y a pas les dies et les blocs 30-30. Mais non. Pas de dies tag, pas de dies, pas de bloc 30-30. Par contre, les dies fond bleu, là, les nouveaux, ça, il y en avait. Il n'y avait pas des masses, mais il y en avait. Par contre, bonne nouvelle. Ils ont rangé. Pardon. Ils ont rangé le Action à Bobigny. Du moins, le côté. Ouais, il était rangé. On rentrait, on pouvait voir tout de suite ce qu'il y avait dans les rayons. Il y avait juste un petit coin encore, un petit effort encore à faire. Pour que ce soit bien rangé, mais il était rangé et ça m'a bien surprise. Donc j'ai pris de la twin, que la dernière fois je n'avais pas trouvé cette couleur. Bon, j'en ai pas pris la dernière fois, hein, mais parce que c'était cette couleur-là qui m'intéressait, donc en marron là, pour faire dans les cartes, enfin dans les tags et tout, en vintage. Les autres j'ai pas pris, hein, mais il y en avait plein. J'ai pris un truc là de calligraphie. Alors au début j'ai posé, puis après j'ai repris parce que bon, il y a écrit calligraphie, mais bon, c'est juste un stylo plume et un stylo, voilà. Et ça j'aime bien celui-ci. J'ai trouvé ça dans le pas dans le rayon dans le rayon des machins scolaires là, enfin dans le rayon scolaire quoi. J'ai pas trouvé ça dans le rayon des loisirs créatifs. C'est juste parce qu'il y a deux stylos, enfin il y a un stylo plume et l'autre c'est aussi un stylo, c'est avec de l'encre mais en bille normalement, je crois. J'ai mal regardé. Et j'aime bien ce style de stylo. Ça fait très très longtemps que je n'ai pas écrit avec un stylo plume, moi, depuis que j'ai quitté l'école. Voilà, ouais, c'est bien ça. Ah, ils ont une forme. Ah, ils sont jolis. Ils sont très sympas, franchement. Comme ça, on peut voir l'encre. Donc là, il y a des cartouches avec. Et ah, bah non, c'est bien un stylo bille. Alors, je sais pas si on voit. Mais non, c'est bien un stylo plume. Parce que j'avais des stylos bille qui se rechargeaient avec des encres comme un stylo plume, quoi. Mais non, en fait, c'est bien deux stylos plumes avec des tailles différentes de plumes. Je pensais que c'était un stylo bille. Alors, j'avais pas vraiment bien regardé. Voilà, donc c'est pas grave, je donnerai à ma nièce. Ou je le donnerai en cadeau à quelqu'un, je sais pas. Parce que vraiment, c'était juste pour le stylo bille à la base que je voulais prendre, mais bon. Donc voilà pour ça. Ensuite, bon, sans intérêt, 10 bougies à la citronnelle. Je crois que c'est un truc qui, soi-disant, fait partir les moustiques. Je suis pas très sûre que ça fonctionne pour les moustiques, mais en tout cas, ça sent bon. Donc voilà, et ensuite on vient à l'objet de ma vidéo réelle, quoi, parce que j'allais pas vous montrer trois trucs, ça servait à rien. Hein. C'est juste que comme je suis partie à Zeman, je suis partie à Zeman pour acheter du Iron On. Donc ils m'ont posé. Alors chez eux ça coûte 1,99, hein. Chez Action c'était 80 centimes la feuille, donc ça revient moins cher à chez Action. Hein. Et donc ici il y a deux feuilles pour 1,99€. Donc 90 centimes la feuille, j'ai pris deux comme ça, donc rouge et noir, parce que j'en avais pas. Et deux de cette couleur-là, donc violet et je sais pas, vert, ouais. Je dirais plutôt que c'est du vert, hein, un turquoise, enfin un vert clair. Et chez Action, j'avais ceux-là, moi, de chez Action. Ils étaient. Alors, comme ça, mais bon, j'ai l'impression que c'est. Voilà. Donc chez Action. Après j'ai pas regardé vraiment tous les modèles qu'il y avait à Zeman, mais je crois que c'était que des pailletés. Et chez Action par contre on retrouvait voilà, donc des holographiques, des métalliques, des pailletés et des réflectives, ils appellent ça. En fait c'est juste que ça joue sur la couleur, donc un coup ça paraît noir, un coup ça paraît vert.
etc. Et empailleté, donc. Voilà. Alors, en fait, j'étais tombée sur un lot Action. Quand j'étais partie, j'étais tombée sur le paquet comme ça, il était fermé. Il était encore emballé, tout emballé en entier comme ça. Ben, j'ai pris le paquet en entier, je me suis pas foulée. Donc, en pailleté, voilà. Donc, j'ai pas les couleurs là que je viens d'acheter. Ouais, donc j'ai pas les couleurs. J'aurais pu regarder pour d'autres couleurs, mais bon. Là, vous voyez, j'ai pas encore utilisé cela. Là, on est en train de faire des t-shirts pour l'anniversaire de ma nièce et mon neveu. C'est pour ça que j'ai été acheter cela. Enfin, c'est ma soeur qui est en train de les faire, elle les a déjà fait. Et ce que je veux faire, c'est comparer justement les deux. Donc, moi, j'ai été à Zeman pour ça, mais je pense que c'est la même chose. Hein, déjà, c'est les mêmes poupettes. Ouais, je sais pas. C'est pas la même marque, mais je pense que c'est la même chose. Ça doit être la même taille au niveau de la forme. Je crois que c'est la même taille, etc. Donc je vais faire une vidéo, je vais comparer les deux. Et ensuite, j'ai été surprise, c'est que bon, en sortant d'Action, j'avais également acheté du foil. Donc celui-ci, parce que je n'avais pas de violet, moi j'en ai déjà plein de chez Action, mais j'avais pas de violet. Donc j'ai pris que celui-ci pour le violet. Je les avais déjà achetés en janvier pour ma soeur. J'avais pas pris pour moi. Et puis en fait, en rentrant à la maison, j'ai vu que j'avais pas le violet. Donc là, comme j'ai vu qu'il y en avait, j'ai pris le violet. Enfin, j'ai pris ce lot-là. Et en allant donc chez Zeman, j'ai trouvé les mêmes pour 1,99. Donc c'est un peu plus cher chez Zeman. Il me semble que chez Action c'est 1,49, un truc comme ça, 1,59 peut-être, je sais plus. Et donc 1,99 chez Zeman, c'est exactement les mêmes, c'est exactement la même marque, hein, c'est juste pas le même packaging. Et chez Zeman, il y a un stylo colle en plus. Ah, il y a 1 mètre à chaque fois, je suppose que là oui, 1 mètre aussi. Donc là, il n'y a pas de différence. Enfin, à part la colle, quoi. Mais sinon, ouais. Bon. Je vais ouvrir par là. À part le stylo colle, il n'y a pas de différence. Il y avait aussi plusieurs couleurs. Ben, il y a exactement les mêmes couleurs qu'on trouve actuellement chez Action. Donc, enfin, je crois. Je sais pas. J'avoue que j'ai pas regardé parce que moi, les autres, j'en ai plein. J'ai déjà une boîte pleine de foils qui viennent chez Action, que j'avais acheté par lot de 5 comme ça, quand ils les ont sortis il y a un an, je crois. Ensuite, j'ai aussi les rouleaux, les autres rouleaux qui avaient sorti en même temps que la machine, et puis les rouleaux qu'ils ont ressortis là. Alors, cette colle me donne. J'ai pas confiance. J'ai pas envie de l'utiliser, clairement. Je sais pas si on voit comment elle est, mais déjà, elle est pas liquide. Il y a un trou en plein milieu, elle reste pas. Donc elle a l'air d'être épaisse. Enfin, je sais pas. Ok. Alors, est-ce que ça va sortir? Ça a l'air d'être bouché. Elle a l'air d'avoir séché d'un côté ou à manquer un bouchon. Ah oui, alors, non, il n'y a pas de. Y a un bouchon, il n'y a pas de bouchon. J'arrive pas à comprendre. Il a l'air d'avoir un bouchon, hein. Pour moi il y a un bouchon, mais je sais pas, ça, je vois pas comment l'enlever. Si, c'est bon, j'essuie. Donc il y a un petit bouchon à retirer. Ah, ce qui est bien, c'est que du. Ouh là là, la bêtise. Zut. Bon, c'est pas grave. pourquoi elle est nacrée? Elle est un peu blanche et violette. Avec, je sais pas. On peut remplir le tube après, une fois qu'on l'a vidé, avec la colle de notre choix. J'ai pas de mouchoir sous la main pour essuyer ça. Voilà, elle a des reflets violets. Je sais pas, j'ai jamais vu de colle avec des reflets violets pour le moment, en tout cas. Et bon, bah, on est censé écrire puis venir coller le feuille. Bon, bah, je vais nettoyer mes mains. Okay. Bon, en tout cas, c'est tout pour mes achats du jour. Hein, je vous dis, je suis partie à Bobigny et puis l'après-midi, je me suis dit, je vais tenter celui de Drancy en allant faire des courses à Carrefour pour voir si je trouve les blocs et tout. Bah, celui de Drancy, je suis ressortie les mains totalement vides. Bah, alors, totalement vides. Hein, je suis rentrée, je suis partie, je suis ressortie sans achat.
Même pas une bouteille d'eau. Donc là. Et c'est pas qu'il y avait rien, au contraire, hein, je trouve qu'il était bien rempli. Et au niveau des dice, alors là, vous avez le choix à Drancy. Même les dice à 2,50 €, vous savez, ceux avec le phare, par exemple, là, le lot qui est sorti avec le phare, les tags, les chiens, enfin les animaux de compagnie, la petite fille avec les ballons, etc. Alors il y en a une tonne. Une tonne. Donc là, il y en a beaucoup. Idem pour les dice avec les fonds bleus. Il y en avait tellement que j'avais pas eu, que j'avais pas envie de fouiller. C'est le seul, enfin les deux seules actions que j'ai vues comme ça jusqu'à présent, c'était Suite Chambly et Suite Nancy du coup, où vraiment ils remplissent, remplissent. Au niveau des tailles bleues, alors là il devait vraiment y avoir, il y en avait vraiment des tonnes. Moi je cherchais dans les nouveaux tailles bleues là, enfin avec fond bleu là. Uniquement les carrés, les autres ne m'intéressent pas. Donc j'ai pas et franchement il y en avait tellement que j'avais pas envie de chercher. Le rayon il y avait deux rangées de dice planes plus des dice qui avaient été balancés à côté au-dessus. J'ai juste fouillé là et puis j'ai pas touché aux deux rangées là de dice. J'avais vraiment pas envie de faire fouiller. Alors je sais pas, en ce moment je joue ma flemmarde totale là, je sais pas, j'ai pas envie de faire grand chose, mais je sais pas si c'est dû à la chaleur ou pas, mais j'ai vraiment pas envie. Donc voilà, bon, si à Drancy, voilà, il y avait vraiment pas mal de choses. Au niveau des blocs 30-30, non, il n'y avait pas grand chose à Drancy, hein, vraiment, il y avait peut-être 3-4 blocs qui traînaient, mais les anciens là, avec foil et à Bobigny, par contre, il y en a un peu plus. Ce sont les anciens, donc vous savez, les aventures, machin, là, le home, basic home, là, ou je ne sais plus quoi. Ça, ils y sont à Bobigny. Mais bon point pour avoir rangé à Bobigny. Maintenant, il faut faire aussi du réassort dans les produits. Voilà. Donc, ça, c'est bien. Donc, voilà pour ma vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une vidéo. Maintenant que j'ai mon imprimante laser, je vais faire une vidéo pour l'utilisation des foils avec la Cricut et avec la plastifieuse. Et je vais faire une vidéo donc comparative de ceux de chez Action. Donc je prendrai les pailletés de chez Action et les pailletés de chez Zeman pour faire un comparatif. Là, j'ai pas fait de t-shirt. Non, en fait, la feuille là m'a l'air plus grande. Ouais, elle est légèrement plus grande que celle de chez Action. Donc, je vais voir ça. Ah oui, elle fait 21 sur 20. Celle de chez Action, il n'y a pas noté. Non, je crois qu'il n'y a pas noté. Il me semblait qu'il n'y avait pas. Je le mesurerai plus tard. Du coup, je ferai un comparatif. Donc, c'était juste pour montrer qu'on trouve les mêmes produits chez Zeman, légèrement plus cher. Hein, on ne va pas se mentir hein, parce que. 79 centimes la feuille chez Action, 98 centimes la feuille chez Zeman. Là, on est à 1,99 pour un stylo colle. Ça fait cher le petit tube de colle à 50 centimes, quoi. Il me semble que ça, c'est 1,49 ou 1,59 €. Je ne sais plus. J'ai le ticket là. Oui, 1,59. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça, 1,59. Donc, voilà. Est-ce que ça vaut le coup de les prendre à Zeman pour juste ça en plus? Non, pas trop. Mais si vous ne les trouvez pas à Action, vous pouvez aller voir chez Zeman si vous en avez un à côté. En général, il y a souvent un Action et un Zeman les uns à côté des autres. Hein. Donc, c'est souvent comme ça, du moins ici en France. Du moins là où je vais moi. À chaque fois, il y a les deux. Voilà. Donc voilà pour ce petit haul. Et je fais donc le tirage au sort pour le tampon clear qui a gagné, que j'aurais dû faire dimanche. Donc je vais l'enchaîner là. Je vais aller sur l'ordi pour pouvoir lancer le tirage au sort. Enfin, je débarrasse déjà tout ça, j'ai nettoyé mes mains et je reviens. Tout de suite. Alors nous voici sur l'ordi pour faire le tirage au sort. Donc j'ai été sur le site EMAP. Je ne sais pas pourquoi, je connais pas vraiment les trucs là. Donc j'ai mis un au pif. Donc il a l'air assez simple d'utilisation. Hein. Donc ici il faut mettre donc la chaîne YouTube et puis apparemment mettre ce qui est à gagner. Et c'est tout. Donc là je suis sur ma chaîne. Donc je suis.
Donc je vais copier, coller donc la chaîne, le lien de la chaîne. Donc là voici, il y a 16 commentaires. Ici il y en a 24, mais c'est parce qu'en fait ça ne prend pas en compte mes propres réponses apparemment. Je vais vérifier, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà, donc il y a bien 16 commentaires. Ok, donc pas de souci. Donc ce qui t'a gagné, donc c'est le tampon. Voilà. Et il faut appuyer ici pour démarrer donc le tirage au sort. Allez, go. Alors, la gagnante est Daniel M. Coucou, rien chez nous. Cela devient de plus en plus compliqué. Des voyages à action pour rien. Vous donnez envie, je participe, bon dimanche. Oh bon, moi aussi je donne envie avec le peu que j'ai. Moi aussi je trouve pas grand chose. Donc félicitations à Daniel M. Décidément tu es très chanceuse. La fois tu avais gagné le dice et là tu gagnes le tampon. Mais ce serait bien de revenir en ce cas pour récupérer tes gains. Parce que malheureusement la dernière fois tu n'avais pas pu récupérer le dice parce que j'avais pas eu de nouvelles. Donc j'espère cette fois que j'aurai des nouvelles. Donc félicitations Daniel M. Tu gagnes le tampon clear de chez Action. Voilà pour ce tirage de sort et pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bye bye!